Bonjour à tous, suite de ce Let's Play Baldur's Gate Trilogy avec Kaya, la guerrière illusionniste. Le groupe est donc arrivé dans le quatrième et dernier niveau du labyrinthe. Il a été attaqué d'ailleurs par quelques araignées éclipsantes et s'est entretenu avec le fantôme de Durlag qui lui a dit... Enfin, qui a dit qu'il fallait arpenter trois chemins différents. Donc c'est pas très clair, mais grosso modo... Il va falloir répondre à des énigmes et Ce montrer sera qu'on fait. connaît bien Durlag et qu'on a bien lu les livres qu'on trouvait dans les niveaux précédents. Bon, moi je les connais donc je les ai pas lus. Vous m'avez pas. Je Mais il y a tout un ensemble d'indices qui expliquent l'histoire de Durlag, le tueur de trolls. Oui, certainement. Alors, on va commencer par prendre ce chemin-là. Bon, qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une porte ici ou quoi? Je veux. Bien c'est sûr. Quoi, ce ça... Sans aucun c'est quoi doute. Cette blague? Ça intéresse. Occupez-vous de votre lame. Parlez. Oui. Il y a eu un léger problème. Ce qu'est-ce qui doit disparaître? Alors, dans la salle qui ne est, que d'un qui est juste derrière. Tyran. Il y a un petit piège, bien sûr, et il va y avoir des Qu'est-ce araignées. Que c'est Certainement. Vous araignées, m'avez parlé. Terre-cap, etc. Enfin, toutes sortes de bestioles qui empoisonnent. Vous feriez mieux de prêter attention. Au voilà. Jour merveilleux. Kalou, Kali. Il y a un piège. Parlez. Sans aucun doute. Vous périrez de ma main. Oh là 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 là, il y a quelqu'un qui vient ici. Jal Oh po 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 po. Ça intérêt à en valoir la peine. Alors lui il s'est fait empoisonner, il s'est fait... Tiens, prends ça. Ça soigne le poison et ça guérit 10 points de vie. Chanteur de nuit, donnez-moi de la force. Kales n'a eu. Qu'est-ce qui doit disparaître? Vous venez encore me déranger? Vous ouais, commencez à me déranger à vous. Ils ont décidé de tuer mon taron. Olotza? Puisse l'obscurité qu'y a-t-il s'imposer. Maintenant quelque chose. Personne n'a projecté le magique. Une absorption mineure de l'Arlock. Vous venez encore me déranger? Ah, je vais essayer un truc. Oui. Normalement, j'ai reçu un pouvoir sympa, là. Allez, on quitte. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ce sera fait. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer ça. Hop. Ça, c'est quoi? Ah, c'est une araignée éclipsante astrale. Vous commencez à me porter sur les nerfs. Jal Kale, j'ai pitié de votre courte vue. Eh, c'est pas mal, hein, ce petit pouvoir. Parlez. Façon Twix. Certainement. Oui. Oh Vicky, bon, a priori elle a Chanteur pas empoisonné. De nuit, donnez-moi de la force. Non, je vais pas te donner de la force, je vais te donner je une potion de soin. D'une noble lignée. Qu'est-ce que c'est? L'amour de l'argent. Allez, allez, aidez Viconia. Il y en a très peu de ces araignées à cube sans Il me faut une pourquoi moi? Ça vaut 4 millions d'expérience. Ouf. Parlez. Coup critique à 19. Sans aucun doute. Ça calme. Il y en a peut-être d'autres ici, non? On a vu tout. Oui, j'attends vos instructions. Bon, on a tout vu. Alors, avant que je ne l'ouvre. Vous laissez-moi tranquille. Si vous ne voulez pas que je vous décapite.
Je veux pas le seul truc qui soit mieux que de l'or. Quelque chose a dû vous échapper quand je vous ai expliqué que j'aimais être seul. Voilà, juste devant la porte. Ok. Alors, ça, c'était la salle aux araignées. Je suis d'accord. Et on va répondre aux questions des statues, des golems de pierre. Oui, ce sera fait. On a intérêt de bien répondre, sinon ça se passe pas trop bien. D'ailleurs, allez, enquiquinez quelqu'un. Ah, vous commencez à me porter sur les nerfs. Qu'est-ce que c'est ? Certainement. J'ai des questions à vous poser. Seuls les membres du clan peuvent passer. Donc il faut bien connaître son histoire. Vas-y, pose tes questions, mec. Durlag, fils de Bolhur Ashtoner, fait partie de votre clan. Vous connaissez bien la famille. Le premier fils. Quel est son nom ? Ah, je sais jamais si c'est Kiel ou Fuernebol. Je crois que c'est Fuernebol. Oh ! Incantus Fulcan ! Il me faut une guerre ! Sans aucun doute. Oh ! Bon, ça commence bien. Ça devait être Kiel. Oui. Je veux pas parler. C'est l'or qui fait tourner le monde. Plus on le sait tôt. Bon, on recommence. Mieux on s'en sort. Allez, pose ta question. Bon, alors ça doit être Kiel, hein. Votre réponse est satisfaisante. Durlag ne tenait pas son nom de son père, mais de ses propres actions. Ah, bah ça, c'est je sais que facile. C'est tueur de trolls. Le père de... Et son père, c'est Ashtoner. Il vient de nous le dire dans la question précédente. Donc là, on est transporté dans une pièce ronde. Qu'y a-t-il maintenant ? À vos ordres. Allez, enquiquiner quelqu'un d'autre. Et là, c'est pareil, il va y avoir des boules de feu et compagnie. Je pourrais me payer la porte de Baldur. On va se mettre sur les côtés. Je ferai votre tâche. Histoire d'éviter de se prendre trop de dégâts avec le reste du groupe. Char est une déesse pleine de conviction. Donc les questions que le golem a posées, c'est pas toujours les mêmes. Il y a un certain nombre de questions et il pioche au hasard, c'est assez intéressant, donc on peut pas se dire, tiens, première question, c'est réponse 3, deuxième, c'est réponse 4, non, il faut bien connaître Durlag. Alors lui, c'est lui qui pose les questions. Donc c'est assez obscur, on va pas choisir maintenant. On va déjà interroger les autres. Ça a commencé avec nous. Ah donc nous, je pense que là c'est l'ouest. Ok. Ça a commencé avec nous par l'ouest. Voilà, il confirme. Il est où l'autre ? Il est là. Yep. J'étais parmi les derniers, mais pas le tout dernier. D'accord, donc ça c'est le nord, j'imagine. Ou le sud. Nous avons été engagés après les combats. Nous avons fait de notre mieux. Donc ok, ça a commencé par l'ouest, ça a fini par l'est. Alors qu'est-ce qu'il propose ? Elle est venue... Ensuite ce fut l'est. Bon, c'est pas mal ça. Allez. Donc si on répond bien à la question... Il est content, il nous laisse partir, sinon bah, il y a une boule de feu qui explose. Et on revient dans la première pièce. On peut parler à Durlag, qui nous dit qu'on a trouvé la première pièce, mais c'est pas encore fini. Il a raison, c'est pas fini. Bon, deuxième chemin à arpenter. Par ici. Venez par ici, là, on n'a pas que ça à foutre. Là, il n'y a pas de piège, donc on peut y aller. Ici, il y a une machine. Oui, ce sera fait.
Cette machine doit fournir de l'énergie. On a une besoin d'une sorte de pierre pour la faire fonctionner. Alors ici, c'est là où on a la deuxième épreuve. Vous m'avez parlé. Ouais, on t'a parlé. On va te fournir ça. Ça va te régénérer. Toi, t'as combien de points de vie? Tu régénères doucement, mais doucement. Là, il me semble qu'il y a un gros piège. Je sais pas si on peut le détecter. En tout cas, on peut pas le désamorcer. Pour le désamorcer, il faut activer la machine qui est là-bas. On le détecte même pas, mais si on traverse, c'est juste une catastrophe. Sans aucun doute. On se prend des éclairs. Et ça se passe très très mal. Alors voici le fantôme d'Islan. Là encore un vrai fantôme, pas un doppelganger. Parlez. J'attends vos instructions. Elle peut nous téléporter à l'extérieur. Je sais pas comment on reviendrait ici. D'ailleurs... Je préfère rester. On repartira bien assez tôt. Je suis d'accord. Dans la salle du fond. Il me faut... Il va y avoir un peu de bestioles. Voilà, des horreurs casquées. Bon, okay. Qu'est-ce que c'est ? Jal Kalès ? C'est l'avenir. Je d'accord. Parler. Et ensuite on va se la faire. Ah, toi tu vas pouvoir. Vous venez encore me déranger ? Non, non, tu veux utiliser des fléchettes de glace. Si je n'ai pas le choix. Montaron, horreur casquée, ne ressent pas les... Et ça, ça marche ? Si, mon taron là, oui. Cette fois il touche. Il a fait 3 points de dégâts. Par amour de l'argent. Bon, pas autant. Ce sera fait. Il en reste non. Non. Alors dans cette salle, je ferai votre tâche. Ah tiens, il y a un coffre là-bas. Je pense qu'il y a des pièges. Pas au sol, hein, mais je pense que tout ça c'est piégé. Ah non, il n'y a que ça qui est piégé. Oh, des potions. Des potions, on en veut. On en a besoin. Vous commencez à me porter sur les nerfs. Je ne comprends pas cette magie de la souris qui me fait faire vos 4 volontés. Ah, on a plus de... Qui c'est qui a beaucoup de place? Tiens toi Xar, t'as de la place dans ton inventaire. Quelque chose... je peux pas m'en empêcher, hein. Ouais, des flèches comme ça on prend, des billes on prend, et la fameuse pierre qui active. Le mécanisme d'à côté. Ah, bon, tant pis. Bon bah tiens Edwin. Hein. Tu sais ce que c'est? Pierre gardienne d'os. Non. Vous m'avez parlé. Allez, enquiquiner quelqu'un d'autre. Quelqu'un va ouvrir au cas où il y aurait un piège. Non, il n'y a pas de piège. Un marteau de maître, moi, ça peut m'intéresser. Qu'est-ce que c'est? Certainement. Montaron. Ça a intérêt à en valoir. Occupez-vous de votre lame. Ouais, ben toi, occupe-toi de détecter s'il y a un piège ici. A priori, il n'y en a pas. C'est même pas fermé.
Moi, des sous, je prends. Allez. Parlez. Sans aucun. Alors, allons-y. Là, on peut toujours pas traverser. Il faut une bière. Surtout pas. Bien sûr. On va envoyer Kagan. Activer la machine. Vous sentez que quelque chose l'a arrêté. Donc normalement, on est tranquille. On va quand même essayer avec Kagan, on sait jamais. Ouais. Oui, ce sera fait. Je veux... D'accord. Ici des coffres. Alors là, garantie. Qu'est-ce qui doit disparaître? Ne dormez que d'un œil, tyran. Voilà. Oh! Ah mince! Cela n'en vaut pas la peine! Il a l'air d'avoir des trucs intéressants qui valent cher. Une. Oh, une armure qu'il n'arrive pas à identifier. Une masse plus 2 quand même. Edwin, est-ce que tu sais identifier ça? Et puis est-ce que tu sais porter ça aussi? Armure de cuir de Karadja. Dextérité bonus de plus 2. Peut-être intéressant hein, pour un voleur. Mais bon, il a quoi lui? Ah, il a pas l'armure d'ombre, je lui ai pas acheté. T'as combien en dextérité, Moutaron? Il y a déjà 19. Je lui ai pas acheté l'armure d'ombre. Bah j'ai merdé hein. Ah bon bah c'est pas grave. Hop hop hop, c'est pas toi qui détecte les pièges. Vous feriez mieux de prêter attention. Au jour merveilleux. Kalou Kali. Verrouillé j'imagine. Alors là, je crois qu'il y a plein Chanteur, de gemmes. Chanteur, j'irai où il vous plaira si vous me protégez de ce maudit soleil. Oh, il y a un très très beau bouclier. Et il n'y a pas plein de gemmes. C'est pas ici. Il y a une très belle fronde. Ah, c'est horrible. Ça, tu peux prendre, Miconia, sans être à la rue. Même ça, elle peut pas prendre. Là, c'est un très beau bouclier. Grand bouclier des nains plus 2. Ça, c'est pour Kagan. Hein. Ah bah, Kagan. Oh là 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 là, personne peut le prendre. C'est horrible. Et là, fléau des dragons. Jet de sauvegarde. Bon, ok. C'est pas une super fronde, mais... Bon, Kagan, t'as de l'espace, non? À qui je vais donner ça? C'est assez horrible, cette histoire. L'inventaire. T'as combien en CA? Moins 7, c'est pas mal. Hein. Moins 9, la brute. Moins 6. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Alors, deuxième épreuve, ça se passe ici. À nouveau, un golem. Qu'y a-t-il maintenant? Et à nouveau, comme je suis pas sûr de connaître si moi, j'avais 2000 ans et un chapeau pointu, j'en ferais autant. Arrêtez de me toucher. Sinon plus. Oh, oui, 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 oui. Parlez-moi de la paix. J'écarte Olot mes amis. Zar Nahu Nata. Bon, à nouveau, c'est lui qui pose les questions. Parlez. Donc on va directement aller interroger les autres. Nous étions la peur, nous sommes venus en nous servant des tentacules. Nous avons empoisonné avec 3 S. Ah oui, il bégait un peu en fait. Empoisonner le clan et les cauchemars de Durlag. Ouais.
Ça nous aide pas Souriez, beaucoup. Souriez, tout le monde. Réjouissez-vous. Nous avons suivi Durlag, nous étions son peuple, sa famille, blablabla, nous étions l'avenir. Si nous perdions, ils perdaient aussi. Nous suivions Durlag, nous étions son peuple. Nous avons protégé cet endroit, nous avons posé des pièges. Ok. Là, c'est quoi la question? Mon père a bourlingué comme moi et parcouru le monde. Il est mort en quelques contrées. Hein, c'était ma hantise. Retrouvez l'origine de cette hantise. Alors là, j'en sais rien. Vous y êtes en sécurité? Non. Peut-être ça a commencé avec votre clan et votre peur de les perdre. Ouais. Oh merde! Oups! Bon, bah, c'était pas celle-là. Ça commence à être chaud là. Je l'ai rarement eu cette question et je la connais pas. Ah, c'est pas vous êtes en sécurité. Oh, il est pas en sécurité. Tout le monde s'est fait tuer. Oui. C'est absurde. Bon, c'est pas grave. Non, pas ça que je veux. Sans aucun doute. Ouais, bah là, file-moi la cape qui régénère parce que ça commence à être un peu tendu. Qu'est-ce que c'est? Bon, puis on va peut-être te sauvegarder, hein. On va parler déjà. Ce sera fait. Alors ensuite, il va falloir explorer. Donc ici, il y a tout un ensemble. Qu'est-ce qui doit disparaître? Laissez-moi tranquille, si vous ne voulez pas que je vous décapite. Parlez. Ah bon? Ok.